les fonds verts. Si vous êtes ici, c'est que vous ne savez pas faire les fonds verts sur Sony Vegas. Et il n'y a aucune honte à avoir. Moi aussi, je ne sais pas comment on faisait au début. Maintenant, je le sais. Alors, je vais vous montrer comment on fait, mais avant, sachez que cette technique fonctionne avec n'importe quelle version de Sony Vegas. Si vous avez Sony Vegas 15, 16, 17, 18 ou encore une autre version, normalement, c'est bon. Alors, pour ceci, c'est très simple. Il vous faudra du coup deux clips. Votre clip. En mode fond vert ainsi que votre clip vidéo. Une fois que ceci est fait, vous mettez votre vidéo, choisissez une partie sur Minecraft et là vous allez faire une petite chose. Vous allez créer une nouvelle piste vidéo et une nouvelle piste audio. Voilà, ouais, ça sera pour tout simplement positionner votre vidéo fond vert dans votre timeline. Excusez-moi. Dès que ceci est fait, vous mettez votre vidéo fond vert. Vous faites ça. Le but de créer une autre piste audio, une autre piste vidéo, c'est pour éviter que ça fasse ça en fait. Qu'il y a une superposition des clips. Maintenant, vous cliquez sur votre fond vert. Vous faites FX. Cliquez bien sur le FX du clip et non pas le FX audio. Et là, vous allez chercher incrustation en chrominance Vegas. C'est dans les effets, incrustation en chrominance Vegas. Faites OK. Voilà. Et là, c'est très simple. Vous avez couleur, vous appuyez sur couleur. Vous avez une petite pipette. Vous cliquez sur la pipette. Et voilà, vous cliquez sur le vert. Et normalement, c'est bon. Vous n'avez plus le fond vert. Tiens, on peut... merde, ils ont je le mettais dans le coffre, le 5 de James. Voilà. C'est comme vous pouvez voir. Il y a des petits traits et tout là. On va donc essayer de corriger ça. Alors pour corriger ça, c'est très simple. Vous utilisez le seuil bas, seuil élevé, ainsi que le degré de flou. Ah, ils veulent rush. Voilà, pour ma part, je pense que... Comme ça, c'est pas mal. Oui, j'ai vu. Il y a encore du noir, mais ça... Il y a 5 de diams, si quelqu'un veut s'utiliser. Voilà, comme ça c'est bien. Voilà, vous avez juste à modifier tout simplement ici. Ce qu'il y a que le rendu vous plaise, et puis vous aurez votre fond vert. J'espère que cette vidéo vous a aidé, j'espère que vous arriverez à monter votre vidéo. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.